Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer les jolies cartes de vœux que vous m'avez envoyées. Alors en préambule, je vais vous dire que ça me fait vachement plaisir parce que je trouve qu'à l'ère du tout numérique, on s'envoie des SMS, on s'envoie des petits mails, des WhatsApp, sur Facebook, mais moi j'aime bien en fait le support papier. Donc je suis ravie, grâce au scrapbooking, je reçois de nouveau des cartes de vœux. J'en envoyais, j'ai pas tout le temps de réponse avant que je fasse du scrap. Et bien là, c'est super, vous m'en envoyez même avant que je vous en envoie, donc c'est génial. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors, là, j'ai dans une jolie enveloppe comme ça, avec un beau tamponnage d'un petit oiseau sur une branche de saule, je pense, avec le mot « winter ». Et un joli petit, je vais cacher mon adresse, un joli petit timbre avec le chaboté dessus, que j'adore aussi. Voilà, et cette jolie enveloppe me vient de Séverine. Quand j'ai les Instagram les chaînes YouTube des personnes qui m'ont envoyé les cartes, je vous les mettrai en bas là. Voilà, donc c'était bien protégé dans un papier à bulles, comme ça, voilà. Et à l'intérieur, regardez-moi cette jolie carte avec le sentiment bonne année, bien sûr. Une jolie petite lutine en papier miroir vert avec un petit cadeau. Et là, une boule de Noël ancrée dans un papier un peu texturé avec des petits flocons sur un fond noir. Voilà, je retire juste mon petit mot. Et dedans, merci Séverine, elle m'a envoyé cette jolie Memory Dex avec cet appareil photo, et l'objectif c'est un shaker avec des petites billes vertes, des étoiles et des confettis vertes avec le sentiment Hello. Et derrière, voilà, elle m'a mis ses coordonnées, son Instagram, je vous le mettrai en bas, c'est Séverine 08 07 75. Voilà. Et elle m'a mis aussi ses goûts. Et comme ça, ça me permettra, quand je lui enverrai des trucs, de ne pas tomber à côté de la plaque, ce qui est souvent mon cas. Mais bon, ne m'en voulez pas. On m'appelle aussi Gaston Lagaffe, c'est un de mes autres surnoms. Donc, merci Séverine pour cette jolie carte. Ensuite, j'ai enlevé l'enveloppe parce qu'il y avait aussi une carte pour ma fille de ma petite Karine, alias Dame Paillette, sur Instagram, qui m'a envoyé ce joli petit piou-piou colorisé au crayon de couleur avec du glitter sur son bonnet, sur son pompon et son revers de son bonnet. Un joli papier de fond, j'aime beaucoup, avec des petites maisons vertes. Des petites paillettes pour Dame Paillette et le sentiment bonne année sur cette étiquette avec effet fausse couture. Et à l'arrière, avec un trombone rose gold, elle m'a mis des jolies découpes de Noël. Donc ça ira bien, je vais les mettre dans ma boîte de découpes avec aussi deux jolies tags comme ça. Voilà, et à l'intérieur, son petit message, voilà, de bonne année, puis de cette amitié qui est naissante entre nous deux. Des fois, on trouve des gens comme ça, hein, sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, merci beaucoup Karine pour ta carte qui est trop choupinette. Ensuite, on a de chez Manuela, mon amie Manuela de la petite caverne du papier. Qui est en plus de mon amie, mon ancienne voisine, la maman d'un très bon ami à mon fils. Elle est aussi représentante chez Stomping Up. C'est chez elle que je fais mes petits achats, que je vous montre de temps en temps. D'ailleurs, je vais bientôt en faire un parce qu'ils ont pas des soldes, mais ils ont une promo là pour janvier. Donc, je vais faire une petite commande et je vous montrerai ce que j'ai choisi. Donc, elle est super rigolote, sa carte, sur un joli papier fond nuage comme ça au marbre. Elle a fait ses découpages d'arc-en-ciel d'ailleurs, qui sont dans le nouveau petit catalogue printemps-été, je vous montrerai ça, avec le sentiment que ce jour marque le début d'un merveilleux avenir, on va espérer. Des jolis petits papillons, c'est du fer, c'est joli, un peu couleur bronze. Et là, regardez, quelle bonne idée, un petit, je l'ai laissé sur mon bureau, un petit calendrier 2022. Je sais pas si tu as trouvé ça, Manuela. Je te demanderai, tu me diras. Ou alors si tu passes par là, tu me le mets en barre en commentaire. Voilà.
Et là, il y a son petit logo, la petite caverne du papier, Manuela Brissonnet. Merci beaucoup, Manuela, pour cette jolie carte originale. Ensuite, regardez comme ça vient de loin. De loin, d'Europe. Ça vient de Belgique. Something just for you. Dans cette enveloppe un peu, rembourrée. Protégée, en tout cas, je vous montrerai pourquoi. Et des magnifiques timbres sur le soleil et la lune. J'adore, je vais la récupérer, cela. Et l'étiquette aussi, j'adore cette étiquette-là. Voilà. Et ça me vient de Jocelyne A, de Belgique. Voilà. Et, coincé dans l'enveloppe, voilà. Alors regardez, c'est une jolie enveloppe qu'elle a fait elle-même dans un papier avec des meneleux et des candy canes, tout pailleté rouge, avec le sentiment meilleur vœu. D'ailleurs, elle a fait un système comme ça pour glisser le rabat de l'enveloppe. Attends, je vais juste ouvrir parce qu'il y a un petit mot avec que je mets à part. Et sa carte de vœux, en fait, c'est un Memory Dex que j'adore. Regardez-moi ça. Joyeux Noël. Bon, c'était les vœux pour Joyeux Noël et bonne année. Hein. Avec un petit marché de Noël, comme ça, bah, comme il y a beaucoup en Alsace. Avec, alors c'est marqué en allemand, Lebkuchen, ça veut dire pain d'épices. Et Glühwein, ça veut dire vin chaud. Et on voit les petites chopes de Glühwein, là, de vin chaud qui sont sur le comptoir. C'est trop choupinou et c'est tellement choupinou, elle a dû sentir que j'aimerais ça. Regardez ce qu'elle m'a offert. Elle m'a offert les dies pour faire ici la petite cabane de Glühwein. Merci beaucoup Jocelyne, ça me touche beaucoup. En plus, Noël, c'est une période que j'adore. Donc, on peut faire même Lebkuchen, donc on peut faire les deux. Voilà, super, merci beaucoup. Et puis, elle est toute festonnée avec des petits cœurs. Elle est très jolie, la Memory Dex. Et elle va aller rejoindre la collection, voilà, de Memory Dex. Et comme ça, je t'aurai toujours près de moi. Et j'ai rajouté au dos, elle m'avait juste marqué, comme ça, son prénom. Et puis, le numéro de la série de ça. Et moi, j'ai rajouté en dessous ses coordonnées, comme ça. Je t'ai près de moi, Jocelyne, pour t'envoyer aussi un petit mot. Merci beaucoup. Ensuite, de Christine C, dans une jolie enveloppe en bronze, comme ça, avec un timbre avec des étoiles. C'est les mêmes timbres que moi, j'ai mis aussi sur mes envois. Alors, hop là. Alors, regardez, c'est un fond qu'elle a fait elle-même en je sais pas si c'était des encres à alcool ou si tu as fait avec le système comme le papier florentin, là, pareil, tu me diras. Et cette découpe, alors, vous pouvez pas le voir, mais moi, je peux vous le dire, elle est en papier velours. C'est tout doux. Donc, une branche de sapin avec des boules de Noël qui pendent. Voilà. Alors, je vais cacher le petit mot. Et à l'intérieur, donc, c'est Joyeux Noël et bonne année. Là, elle m'a mis je cherche mes mots. Un die cut avec une luge et des cadeaux dessus. Elle peut aussi me dire Guti Rutsch. Bonne année en alsacien. Des étoiles, une pomme de pin, un flocon de neige. Et encore ici des petites pommes de pin. Et ici une découpe Joyeux Noël. Voilà. Et bien merci beaucoup Christine pour cette jolie carte. Ensuite, nous avons de Colette des. Pour les intimes, voilà, qui m'a envoyé une carte aussi. Je l'ouvre hors champ. Très jolie carte. Regardez comme elle est mignonne, j'adore. Donc, elle a fait une superposition de papier dans les tons du rouge, un rouge un peu bordeaux cramoisi, comme ça. Donc, il y a le cardstock qui est rouge, comme ça. Ensuite, un papier à écriture avec marqué Merry Christmas. Un papier rouge à pois blanc. Un papier texturé blanc et encore tout ça c'est superposé, hein, c'est des découpes à chaque fois. Une découpe ovale en papier rouge de nouveau, une découpe blanc, je sais pas si c'est toi qui as ancré ou ça découpé comme ça, et dessus cette adorable petite lutine dans les mêmes couleurs. Elle est superbe cette carte. Voilà, et j'arrive mon petit mot. Voilà. Et à l'intérieur, c'était comme ça. Et mon petit mot à l'intérieur. Merci beaucoup, Colette.
Merci beaucoup à toutes les filles. Franchement, moi, j'adore ces cartes. Je voulais déjà vous rendre hommage en vous les présentant ici. Ça donne toujours des très bonnes idées. Moi, quand je suis un peu à sec, je les range. Après, j'ai une boîte en fer comme ça où il y avait des gâteaux dedans, je les range et quand je manque d'inspiration, et ben je ressors toutes les cartes qu'on m'a envoyées d'anniversaire, de bonne année ou les cartes comme ça, et vraiment ça m'inspire quand je suis à sec, et ben voilà, c'est une mine d'inspiration et d'information. Voilà, ben écoutez, c'était une petite vidéo comme ça vite fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.